Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est El Roro et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve, vous voyez il fait nuit dehors. Ma voiture elle est encore en train de comment on appelle ça là? D'enlever la buée quoi. Pourquoi on se retrouve aussi tôt? C'est parce qu'on est mercredi matin, c'est inédit sur ma chaîne de faire une vidéo le mercredi matin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Là je vais partir au boulot, mais en fait sur le chemin du boulot il y a une vue, les amis, je sais pas comment vous décrire ça, c'est tellement magique tous les matins que je voulais vous montrer ça en vidéo et je vais aller faire des photos. Donc c'est parti pour ça, let's go! Voilà les amis, on est arrivé, je vais prendre des photos, je vais filmer vite fait, sauf que je vais pas parler en dehors de la voiture parce qu'il y a des gens qui habitent autour, qui dorment et tout et j'ai pas envie de déranger. Je vous filme ça, let's go! Du coup les amis, vous voyez, je suis arrivé au boulot, j'ai fait mes photos, ça rend pas comme je voulais, je suis un peu dégoûté parce que les couleurs étaient magnifiques et en photo ça rend pas du tout pareil. Mais bon, je vous en mets une ici, voilà, t'as capté quoi. Puis sinon elles seront disponibles aussi sur mon Instagram, ici, ouais. Je suis arrivé au boulot, j'ai fait mon taf, tout s'est bien passé, je vais enfin pouvoir rentrer chez moi, d'ailleurs je vais chez mon papa. Pour qu'il me coupe les cheveux et adieu les cheveux blanco. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, je voulais vous expliquer ce qui s'est passé au boulot en fait. Pourquoi ce changement? C'est qu'on a des malades. On a énormément de malades Covid ou autres. Et du coup, on a été obligé de fermer le centre parce qu'on ne pouvait pas se... Oh, damn, le biceps. On a été obligé de fermer le centre parce qu'on ne pouvait pas... permettre d'accueillir des enfants alors que je suis le seul animateur. On a aussi fermé le reste de la semaine, mais que les services de cantine et de garderie parce qu'on est en manque de personnel. Voilà, c'est un peu la galère, mais je crois que c'est un peu partout pareil. Bon, on arrête de parler de sujets qui fâchent. Let's go, je vais aller manger avec mon papa et en même temps, je vais me faire couper les cheveux. Wouh! Fouah! Bon les amis, je suis rentré chez moi et regardez-moi ça, cette jolie petite coupe. Il n'y a plus les cheveux blancs. C'est ma couleur de base, je ne sais même pas c'est quelle couleur. Ça fait plaisir. Tant que je vous tiens, et écoutez-moi vous, écoutez-moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, tout de suite, on n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ouais. Oh, vous êtes des bons, vous. Toi là, tu t'es abonné, t'es un bon de ouf. On n'oublie pas, lâche un petit like. Oh ouais, ça fait plaisir. Puis voilà. Ce vlog se fera en deux parties. Là, il y a aujourd'hui, mercredi, où c'était une vidéo spontanée. J'ai kiffé faire ça, me lever plus tôt pour aller bosser. Et au final, pouvoir avoir l'occasion de photographier des photos... du lever du soleil, Joe il sait plus parler, du lever du soleil, ça fait plaisir. J'espère que vous avez kiffé et puis on se retrouve samedi, enfin vous, on se retrouve juste après. Croyez pas que vous allez quitter cette vidéo, il va y avoir une autre vidéo. Non, c'est sur la même vidéo en deux parties. Donc vous, à tout de suite et moi à samedi. Ciao. Bah, comment on se retrouve? J'espère que vous allez toujours bien à ce moment-là de la vidéo. Et si tu es encore là, merci beaucoup. Ça fait plaisir que tu sois resté jusqu'à maintenant. Quel jour on est? Parce que je vous ai dit juste avant qu'on était samedi. En fait, non, on est dimanche. Parce que, en fait, pourquoi? Vous savez quoi? Je vais m'asseoir. Hop là. Et je vous pose. Voilà. Pourquoi j'ai pas tourné samedi comme d'habitude, je tourne samedi. En fait, samedi, on était le 29 janvier. Et cette date, elle... comment vous dire? Elle m'affecte. En fait, c'est le jour de la disparition de mon frère, mon grand frère. Voilà, c'était en 2015. On est 7 ans plus tard.
Mais voilà, le 29 janvier, c'est pas un jour facile pour moi et j'ai préféré plutôt que vous filmer quelque chose à contre-cœur ou faire une vidéo où j'étais pas dans un bon mood et ça se ressent à la caméra quand quelqu'un n'est pas bien, ça se ressent et tout de suite c'est de moins bonne qualité. Au lieu de vous faire ça, j'ai préféré attendre, quitte à ne pas sortir de vidéo mardi, mais au final, on est dimanche après-midi, il n'y a personne à l'appartement, je suis tout seul. Voilà. J'ai pas grand chose à vous montrer, je voulais juste vous expliquer ça, que voilà, samedi, j'ai pas pu faire le vlog comme d'habitude, mais je vous parle, et ça me fait du bien de vous parler à vous, parce que même si en ce moment, vous êtes pas nombreux à regarder les vidéos, d'ailleurs, pourquoi? Dites-moi en commentaire, pourquoi en ce moment-là, ça fait 2, 3, voire 4 vidéos, il y a pas beaucoup, vous êtes que 5 à regarder les vidéos. Alors, est-ce que j'ai dit quelque chose qui vous a pas plu? Est-ce que c'est le concept qui vous plaît pas et vous aimeriez voir autre chose comme avant? Je ne sais pas trop qu'est-ce qui a changé vraiment. Je vous laisse me dire en commentaire, hein, si jamais c'est le cas. Et peut-être si vous avez des idées, des choses que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas, la rubrique commentaire, c'est fait pour ça. Vous voyez ici là, hop, et en dessous de la vidéo, tu descends, tac, commentaire. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Je prendrai ça pas mal si c'est un reproche. Je prendrai ça bien, dans tous les cas, je prends ça parce que ça va m'aider à avancer et ça va m'aider à faire des meilleures vidéos et de meilleure qualité. Ouh, je suis content de vous avoir dit ça. Vous avez vu? J'ai un pull Naruto. Kurama, vous connaissez? Vous saviez qu'il s'appelait Kurama? Démon renard à 9 queues. Si! Regardez. Déjà, moi je suis un gars, un gentleman, t'as vu? Ça, c'est moi, j'ai ramené à ma femme. Ça lui a fait trop plaisir. Bah, vendredi soir, en rentrant du boulot. Et là, regardez, je suis en train de faire le montage de la vidéo. Voilà, je suis en train de faire ça. Du coup, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 4 minutes de vidéo. Je me suis dit, bah, Jojo, faut faire quelque chose. Tu vas pas sortir une vidéo de 4 minutes, c'est pas possible. Effectivement, c'est pas possible. Et je me suis dit, je suis tout seul, j'ai rien à faire, rien de prévu. J'avais pas prévu de tourner ça, je me suis dit, je vais me livrer aux abonnés. Vous n'êtes pas nombreux à me regarder, vous méritez de savoir, connaître ma vie. Moi, ça ne me dérange pas de me livrer. Franchement, c'est du personnel et j'avais envie de partager ça avec vous. Maintenant, c'est fait. Puis, je pense que c'est une fin de vidéo. C'est une vidéo plutôt courte. C'est pas grave. Ça fait du bien de temps en temps. Une vidéo courte, c'est pour repartir sur un bon pied, faire des vidéos de qualité, comme je vous l'ai dit. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Prends soin de toi, toi. Franchement, je veux m'adresser à toi. Même si vous êtes nombreux à regarder. Toi, là. Toi, qui es en train de regarder cette vidéo, prends soin de toi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as mis un like, merci encore plus. Si tu as commenté, c'est génial. Si tu es abonné, c'est le top du top. Si tu as fait tout ça, un jour, je t'inviterai. Promis. Mets en commentaire, je suis abonné, j'ai commenté, j'ai liké, j'ai regardé jusqu'au bout de ta vidéo. Je t'invite. Je t'invite, on va se faire, pas un resto parce que je peux pas, mais on se fait un truc, on se fait une vidéo toi et moi, tranquille. Merci les amis, je vous kiffe et je vous dis ciao ciao.